Salut YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes 904 abonnés, merci à tous ceux qui m'encouragent, merci, 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 merci. Ok, on va faire un peu d'émulation, on va faire des vieux jeux sur l'Amiga 500. Donc on est sur le WinUAE, je l'avais déjà présenté précédemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On y va. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai déjà fait une configuration, je la charge. Load. Ça, il y a des vidéos sur YouTube et je crois que dans ma présente vidéo, je vous l'ai montré. Ensuite, on va dans le floppy drivers. On fait une éjection et on va choisir le jeu qu'on veut. Et moi, je crois que j'ai choisi. Alors aujourd'hui, The Chaos Engine. Alors, Chaos Engine. Ok, il y a deux disques. C'est parti. Alors, premier disque. On appuie là. Et deuxième disque. J'espère que ça marche. Chaos Engine, le disque 2. Voilà. Et c'est parti. J'active tout, hein. Ok. Alors, je connais pas ce jeu-là, mais j'ai vu sur internet qu'il faisait partie des très bons jeux de Amiga. Alors, on va tester ensemble. Bon, c'est vraiment old school, hein. Et j'aime plus l'Amiga 500 que l'Amstrad. Peut-être parce que l'Amiga 500 est beaucoup plus puissante. L'Amstrad, les configurations, ça me casse la tête un peu, je vous avoue. Et pareil pour au niveau du clavier, c'est un peu chiant. Donc je préfère jouer à l'Amiga 500. Vous avez l'ami Tarodus, le Belge, qui lui fait qui a une très bonne chaîne vidéo, très bonne chaîne YouTube sur ça justement. On va pas se mentir. Voilà. Voilà. Un peu, voilà. Donc l'ami Tarodus, comme je disais, il a une chaîne dédiée à l'Amstrad TPC. Franchement, je regarde souvent ses streams. Voilà. Pour lui, ben, on y va. Alors, je découvre avec vous ce jeu-là, parce que je sais pas du tout c'est quoi. Loading. J'ai un peu poussé les performances de l'ordinateur, du moins de l'émulateur, mais je maîtrise pas encore cet émulateur, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a même les réglages au niveau sonore, faut les faire. Moi, je les ai pas fait. J'ai vraiment fait le strict minimum. One player. Start new game. Ouais. Alors, on a de la patate. J'ai de l'argent. J'ai 6000. 2700. 1500. 3000. Ouais, je prends celui-là. Et R2. On va prendre celui-là. Bon. World One. Je connais pas du tout ce jeu-là. Bon, ok. Ok. Faut que je m'habitue aux touches. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ah ouais. Node activated.
Espèce de gratteur. Franchement bien. Super. Faut que je m'habitue aux touches. On y va. Pas mal. Franchement, pas mal. On a une bonne durée de vie, hein. Les boutons, je suis pas habitué aux boutons. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Bon, continue. Il y a quoi là? Continue. Bon. Il n'y a rien là. Il n'y a rien en dessous là. Bon.
Ça, j'y arrive pas, hein. Faire là, je suis bloqué. C'est un casse-tête. Et là, c'est quoi? Là, il faut monter là-haut. Monter là-haut. Tous étaient gommés. Voilà. J'ai rien moi, j'ai rien fait là. Là y a quoi? On s'en fout, on zappe. Là, on peut pas y aller, on doit descendre. Il en reste un là. Ça y est. Ah bah voilà. Super. Bon, on a joué 10 minutes là. Pas mal. C'est un peu chiant comme jeu. Je le trouve chiant. Que je partage. On va faire ce dernier, puis après on va arrêter. Moi je m'ennuie un peu, mais je vais en faire. Toujours la même chose. Oui. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est varié. C'est nul.
Putain, c'est nul ça. Si je détruis. Rien à faire. On peut pas se détruire. Oh là là. Et on peut faire quoi? Rien. Ok. Node activated. Il ne reste plus qu'un. Comment je peux faire? Je suis nul. C'est qu'on a la fin. Comment on fait pour sortir de là? On a fini. Bon, j'arrête avec ce jeu parce qu'il est trop chiant. Honnêtement, il est trop chiant. J'espère que ça vous a plu. Et que... Comment dire, des bonnes nouvelles.
Moi, je dis la prochaine fois, Inch'Allah. C'est une bonne ambiance quand même, super musique et tout, mais bon, c'est trop répétitif. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah.